Je joue à Pokémon Quest. Faudrait peut-être que je mette le son. Ça load un petit peu. Pas de loin. Communication. Nos petits jeux sur cellulaire qui est pas mal le fun. Là, vous pouvez voir, bon, ça fait quelques temps que je joue, là, et j'ai aménagé quelques machins. Chaque machin apporte un petit quelque chose de plus, là. Bon, je passerai pas à travers toutes les machines, là, évidemment. Bon, chaque affaire donne de quoi, puis il y a toujours des emplacements pour mettre d'autres affaires. Puis là, j'ai plein de Pokémon qui sont venus chez nous. Il y a deux façons d'avoir des Pokémon. La première, c'est ben t'en as un par jour. Donc quand vous venez par jour sur le jeu, vous obtenez un Pokémon. Là, j'en ai un qui est là. On va aller voir c'est qui. Ploup. Voyons. Et c'est Krabby. Et voilà, Krabby est avec nous. Ce coup-ci, j'ai pas mis la musique parce que je trouvais que la musique était un petit peu trop prenante dans l'autre vidéo, là. Mais il y a de la musique avec. Et là, Krabby a une attaque, une capacité d'armure qui permet au lanceur. Le lanceur rassemble toutes ses forces pour durcir son corps et réduire temporairement les dégâts subis. Donc, déjà, c'est une capacité de tank, on peut voir. Et. Il y a un gros yeux, fixe d'un regard noir les ennemis alentour pour les apeurer. Il a de grandes chances d'augmenter les dégâts qu'ils subissent. Donc, c'est un tank qui va baisser les dégâts des autres. Mais à part ça, il n'y a rien vraiment de spécial. Donc, ça ici, ça par exemple, ça peut être bien parce que justement, il y a deux petites affaires. Puis le bleu, les pinouches bleues là, qu'on peut avoir, c'est des pinouches, des bonus qui peuvent envoyer les buffs à tes compagnons. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est très, 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 très bon. Parce que c'est un bon tank. Il prend pas l'aggro, par exemple. Ça, c'est un peu dommage. Prendre l'aggro, ça veut dire de prendre l'attention des monstres, que les monstres vous attaquent vous. Donc lui, il fait pas ça. Mais ce qu'il fait, c'est quand même bon. Donc, ce qui serait bon avec lui, c'est une pierre pour. Mais j'ai déjà un pas pire tank là. Je sais pas si j'ai déjà un Krabby. On va aller voir. Là, vous pouvez voir mon équipe présentement, c'est Staryu, Herbizarre et Pikachu. Bon, là, ça load. Ça, c'est tout. Bon, on peut voir là le Krabby, le nouveau, est niveau 24. Qui est quand même pas pire au niveau de. En tout cas, il est dans ma première page. Je sais pas si. Ok, ça, c'est ça. Est-ce que j'en avais déjà un autre, un Krabby? Oui. J'avais un Krabby niveau 10. Qu'est-ce qu'il y avait comme compétence, le Krabby niveau 10? On va aller voir. Oh! Il y avait une compétence de surf. Lanceur surf sur une grosse vague et fonce tout droit devant pour infliger des dégâts aux ennemis pris dans la houle. C'est pas mauvais comme attaque. C'est une attaque d'eau. Ouais. Mais j'aime mieux l'autre. Fait que ce que je vais faire, parce que ça me sert à rien d'avoir deux Pokémon du même genre. Ce que je fais dans ce temps-là, que j'ai deux Pokémon du même genre, c'est que je vais dans Exercice, ici, sur la droite. Puis, ce que je vais faire, c'est que je peux soit copier les capacités d'un Pokémon à l'autre, ou simplement leur faire augmenter de niveau. Là, j'aime pas la capacité de celui du niveau 10. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais garder le niveau 24.
Puis je vais amener le niveau 10 ici pour assister en soutien le niveau 24, ce qui va y faire pas prendre un niveau, mais je dirais le tiers à peu près d'un niveau. C'est quand même bien pour un Pokémon de niveau 10. Il y a des bonus. On peut le faire pour des Pokémon qui ne sont pas du même type. Mais à ce moment-là, les bonus sont moindres. Donc là, vu que c'est du même type, il y a un plus gros bonus. Donc, on commence ça. Ça dit que ça permet d'augmenter des points d'expérience. Puis les Pokémon de soutien disparaîtront après l'exercice. Donc, il faut vraiment faire attention. On va faire oui. Parce que ça sert à rien d'avoir deux de même sorte. Lui, j'aime mieux son niveau puis ses capacités. Puis ça va faire de la place pour d'autres Pokémon qui vont peut-être être plus utiles par après. Ça sert à rien d'avoir deux du même genre. Bon. Là maintenant. Ça, c'est mon team B. Mon team A, c'est Reptincelle, ou Charizard, si vous préférez. Carabaf, ou si je me souviens, c'est Blastoise, c'est ça? Et Arbok, qui en anglais, là, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est ça. Ça, c'est mon team A. Vraiment, feu, eau et Arbok qui a, si je me souviens bien, une compétence de terre et de poison. Ce qui est un beau combo ensemble. Terre qui attaque les gens en groupe. Oui, voilà. La boubombe, qui est une attaque de sol. À laquelle j'ai mis une gemme d'expansion. Qui augmente la zone d'attaque. Donc j'ai mis deux pour qu'elle soit vraiment plus forte. Puis en même temps, il y a un dard venin qui peut empoisonner les ennemis. Donc si jamais il se bat contre seulement qu'un ennemi, ben j'utilise le dard venin. Mais s'il se bat contre plusieurs ennemis, ben j'utilise la boubombe. Ça, c'est pour l'Arbok. Ensuite, pour le Carabaf, lui, c'est plus mon tank. Donc, avec le Carabaf, je vais me foutre dans le tas et j'ai une compétence de repli. Où est-ce qu'il s'abrite temporairement sous une carapace robuste pour diminuer les dégâts subis. Donc, lui, je me garoche dans la gang avec lui. Puis, je caste ça. L'avantage avec ça, c'est qu'il y a une gemme d'unisson. Donc, la zone de partage des boosts de plus 25, ce qui veut dire que quand il caste son repli, il le donne à ses alliés qui sont autour de lui. Ce qui est pas mal utile. Ensuite, il y a un siphon qui est de l'eau. Donc, un tourbillon se déchaîne autour du lanceur et inflige des dégâts aux ennemis alentour. Et j'ai là aussi une gemme d'expansion qui augmente la zone d'attaque. C'est vraiment autour de lui, il y a une attaque d'eau. Elle est pas super forte, mais ça fait rien. Lui, il est plus là pour prendre des dégâts et justement empêcher que les autres en prennent. Et il y a énormément de vie. Il y a quand même une attaque qui est pas si pire. C'est pas extraordinaire, mais c'est surtout la vie, les dégâts puis les buffs. Donc avec lui, c'est buff, buff, buff. Je buff tout le monde. Puis ensuite, quand je peux, ben là, je claque le siphon. Finalement, j'ai deux attaquants, en fait. Un qui en fait, les deux sont au cast, vraiment. Reptincelle, qui a Flamèche, attaque Flamèche, attaque de feu. Se répandent dans trois directions devant le lanceur et infligent des dégâts aux ennemis situés sur leur passage. Ça peut les brûler en plus. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas de gemme rattachée à ça, mais il y a une attaque de griffe qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc lui, il s'en va au cac, puis il fait une attaque de griffe. Et son attaque de griffe, j'ai mis une gemme d'expansion justement pour qu'il puisse attaquer plus qu'une personne, puis une gemme de hâte pour qu'il puisse la faire souvent. Donc lui, ce que je fais, c'est quand il est à distance,
Je fais une flamèche, ensuite je le laisse s'approcher, en espérant que ça puisse brûler l'ennemi. Ensuite, je le laisse s'approcher pour qu'il claque ses griffes. Il n'y a pas beaucoup de vie, par exemple, et c'est pour ça que je le perds avec ma carabaffe. Ça, c'est mon team A. Mais moi, je joue avec le team B parce que je veux l'upgrader. Mon team B, eh bien, j'ai Starry. Starry qui a deux attaques aussi. Un lumino-canon, qui est une attaque d'acier. Donc le lanceur concentre de la lumière puis projette un rayon devant lui. Peut augmenter les dégâts subis par les ennemis. Donc, c'est une attaque qui fait très mal déjà, 170 d'attaque. Et j'ai mis une gemme de horde dessus pour qu'il puisse la faire souvent. Ça, c'est vraiment bon contre un ennemi. Donc, ça peut faire en sorte que l'ennemi reçoive des dégâts plus importants par la suite. Puis, il y a aussi une attaque de laser glace, une attaque de glace, évidemment, qui fait quand même pas pire d'attaque. Le lanceur projette un rayon réfrigérant devant lui pour infliger des dégâts aux ennemis, peut les geler. Et j'ai mis une gemme multi-tir qui fait en sorte que, au lieu d'avoir un jet de glace, ben il y en a deux. Donc c'est vraiment comme est-ce que je me bats contre un ennemi ou contre deux? Ou contre plusieurs en fait. Si c'est contre plusieurs, je fais la glace en espérant geler les ennemis. Si c'est contre un, je fais le lumino-canon. Ensuite de ça, j'ai aussi un air bizarre qui est vraiment comme un de mes tanks préférés. Un de mes tanks préférés, parce que, bon, il y a beaucoup de gemmes de vie, hein, de points de vie, dont celle-là qui est assez bonne. Il n'y a seulement qu'une attaque, c'est un fouet liane, mais gardez l'attaque. 237 fait énormément de dégâts. Fait claquer une liane comme un fouet pour infliger des dégâts aux ennemis situés en face de lui, et en plus, ça les repousse. C'est pas dit là-dedans, là, mais ça les repousse. Donc, j'ai mis une gemme multi-tir pour qu'il en fasse deux. Une gemme d'expansion pour que la zone d'attaque soit encore plus grande. Puis une gemme de hâte pour qu'il puisse le faire souvent, souvent, souvent. Donc, excellente attaque. Pointe tout le monde en avant de lui. A énormément de points de vie, donc il peut en prendre beaucoup. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'attaques, mais l'attaque Fouelian fait énormément de dégâts, donc ça compense. Et finalement, mon troisième de l'équipe B, c'est Pikachu, qui a une attaque éclair, qui fait quand même pas mal de dommages. Après avoir accumulé de l'énergie, le lanceur envoie une décharge électrique devant lui pour infliger des dégâts aux ennemis et peut les paralyser. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il se recule, donc j'attends qu'il soit vraiment à côté du monstre. À ce moment-là, je casse l'éclair, il se recule, il fait un éclair. Ça fait quand même pas mal de dégâts aux ennemis. Donc pour ça, j'ai fait une gemme multi-tir pour qu'il essaye de pogner le plus d'ennemis possible. Et deux gemmes de hâte pour qu'il puisse le faire assez souvent. J'ai peut-être essayé une autre gemme, par exemple. Oui, j'ai le goût d'essayer une gemme d'expansion au lieu d'une gemme de hâte. Ah! Je ne peux pas. Hein, on peut voir les couleurs, il n'y a pas la couleur violet. Ben, c'est pour ça. Donc, là, j'en étais où avec ça? Avec mon équipe B. Premièrement, ben, comme je suis là pour la première fois aujourd'hui, là, je vais récupérer mes coupons BP quotidiens, donc j'en ai 50. Merci beaucoup. Donc, les suivants, ça va être dans 22 heures. Ensuite de ça, là, ici,
Ça, j'ai une recette. Il me reste un tour pour qu'il soit prêt. Ben, c'est ça qu'on va aller faire. Hein? Parce que là, vous voyez en haut de où est-ce qu'il y a les coupons, là, j'en ai 335. Il y a une espèce de petite pile. On disparaît pas. Une petite pile, c'est écrit 6 sur 6. Mais ça, c'est le nombre de tours que je peux faire. Mais c'est ça qu'on va aller faire. On va aller faire des tours, on va les combattre. Vu que c'est mon Team B, j'irai pas faire des grosses missions, là. On va peut-être aller faire une mission à 1800, peut-être. Ou. Ouais, je sais pas s'il y en a des. Ouais, 2400, hein? Non. Non, vraiment pas. Donc, ouais. On va les faire à 1800. Ça sert à rien d'aller faire des missions trop fortes. Puis on va voir maintenant, après, la deuxième façon d'aller chercher des Pokémon. Donc là, on arrive. Il va chercher. Là, ils ont trouvé des Pokémon. Ils s'en vont là. Je commence par une attaque d'Herbizarre. Là, j'attends que le Pikachu arrive au CAC. Paf! Tain, attaque éclair. Là, lui, il est en groupe. Donc, un laser glace. Petite liane qui va tuer lui. Attaque éclair sur eux autres. Petit lumineux canon, là, pour se débarrasser de lui. Attaque liane sur lui. Et on finit ça en beauté avec une attaque éclair. Puis j'ai pris presque pas de dégâts. C'est parfait. Ça se régène un petit peu à tous les tours. Ils ont trouvé d'autres Pokémon. On va les abattre. Attaque liane. Éclair ici. Bon, là, mon Staryu a un peu shooté dans le vide. Bon, attaque liane qui va détruire ça. Bon, il y a des attaques au corps à corps ou à distance, selon si votre Pokémon est à distance ou au corps à corps, qui se font par une attaque par défaut, si vous voulez, une espèce de claque sur la gueule. Bon, voilà. Puis là, en plus, ils sont régénérés au complet. Non, c'est l'autre côté, les amis. C'est ça. Bon, l'attaque de laser glace. Avec ça, puis on finit ça. Ah bon, j'ai même pas eu le temps. Puis là, si vous voulez, comme si vous avez pas le temps, vous êtes occupé. Ah, ben là, on est arrivé au boss. Mais si vous êtes occupé, puis vous avez pas le temps, vous pouvez le mettre à auto. Puis les autres, ils vont le faire automatiquement. Ils vont caster les trucs, mais tu sais, peut-être pas dans l'ordre que vous voulez, là. Si vous êtes vraiment occupé, là, faut répondre à l'enfant ou je sais pas quoi. Vous avez votre chéri qui demande votre attention. Ou votre chat, votre chien, votre poisson. Et pendant ce temps-là, vous pouvez mettre ça comme ça. Mais c'est sûr que, bon, ils vont juste faire les attaques auto. Non, j'ai un petit peu manqué l'attaque éclair là, mais c'est pas grave. J'avais pas pris un niveau très très difficile. Mais le niveau est terminé. Parfait, bravo. Donc là, on a eu des niveaux. Ah, Pikachu, il a pris un niveau, il est maintenant niveau 20. Ça, c'est bien. Là, j'ai eu des trucs parce que j'ai survécu. Faut qu'il y ait au moins un des Pokémon qui survit. Puis même si vos Pokémon, même si ils sont décédés durant l'aventure, ben ils vont recevoir de l'XP pareil. Mais vous aurez pas les gemmes. Donc il faut. C'est pour ça que je vois pas des trucs trop puissants parce que sinon c'est pas rentable. Donc là. En bas à droite, on peut voir ici l'espèce de petite casserole qui sautille sur elle-même, là.
Ça, c'est pour indiquer que le repas est plein, justement, parce qu'on a fini ce qu'on avait besoin. Et là, vous voyez, la batterie est rendue, la pile est rendue à 5 sur 6. Parce qu'on a joué une fois. Bon, là voilà, c'est ça. Là, il est prêt. Fait qu'on va aller chercher la cuisine qu'on a faite. On a fait un bouillon 3D. Yeah! Le mets favori de certains Pokémon de l'île 3D. Ça, tu utilises n'importe quel ingrédient. Là, je fais à peu près n'importe quoi, là. Bon, là, ça a pogné un Pokémon oiseau. Ça a pogné un Rockul. Un Rockul. Qui a une attaque cyclone. Ouais, mais j'ai déjà un Rockul. J'ai déjà un Rockul avec de meilleures attaques. Fait que je garderai pas lui. On va commencer par remettre d'autres ingrédients. Là, moi, j'ai une casserole meilleure. Donc, je vais mettre ma casserole meilleure. Ce que je fais, moi, là, je cherche pas de trucs. T'sais, vous pouvez. Il y a toutes sortes de recettes, là, si vous voulez, là. Moi, ce que je fais, c'est que je mets n'importe quoi, là, pour l'instant, là. Donc, bon, on met ça avec ce que j'ai de plus, là. Donc, ça, 319, 317. Donc, on va mettre ça. Ce que j'ai de plus, c'est 316. Fait que, tiens. Cuisiner, oui, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais c'est pas grave. C'est prêt dans 2 tours. On peut voir le 0 sur 2. Là, le Rockul, vu qu'on en a déjà un. Ben, j'en ai déjà un. Ça me sert à rien d'en avoir deux. Et je sais que le Rockul que j'ai a des meilleures compétences. On peut aller le voir, là. Il est là. Il est d'un moins bon level, mais il a des meilleures compétences. C'est important les bonnes compétences là-dedans. Parce que là, il y a Cyclone. Et il y a Tornade. Qui est une attaque de vol. Qui fait pas beaucoup de dégâts, malheureusement. Et ça, c'est vraiment pour éjecter les gens qui viennent au CAC, qui viennent au corps à corps. L'autre, il y a déjà Cyclone et il y a une attaque à distance qui est pas super haute. Donc je me demande, je vais essayer quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que au lieu d'augmenter son niveau, je vais essayer d'augmenter son attaque. Ben, de changer son attaque en fait. Donc je vais retourner dans l'exercice. Là, je vais prendre lui. Et non, là, je vais aller dans capacité. Je vais mettre lui ici. Et moi, là, je veux son attaque pas bonne. J'aimerais ça en avoir une de vol, mais je veux qu'elle change. Pour en avoir une plus forte. Donc, cet exercice permet de changer les capacités des Pokémon. Comment? Oui. Ils vont disparaître. Oui, en effet. Mais je viens de l'avoir, je m'en fous. Le taux de réussite est à 96%, ce qui est quand même assez bon. Et là, maintenant, il va avoir... Poudoum! Et là, il y a vent arrière. Qu'est-ce que c'est que vent arrière? Ben, on va aller voir ça. On va aller voir ce que c'est que vent arrière. Bon, vent arrière, c'est une attaque de vol. Le lanceur déclenche une tornade pour augmenter temporairement sa vitesse de déplacement. Ok. Fait que... Ouais. C'est pas vergeux. C'est encore pire que ce qu'il y avait. Bon, ben, c'est plate. C'est vraiment plate, pour vrai, là. Je trouve ça dommage. Donc, ça va être à changer encore une fois. Mais c'est pas grave, il fait pas partie de ma team B. Hein, ma team B, maintenant, c'est Staryu, Herbizarre et Pikachu.
Je vais vous montrer peut-être ma team A, ce coup-ci, là. C'est bon, tu sais, je suis là pour vous montrer le jeu. Donc, team A. On va mettre Reptincelle avec Carabaf et Arbok. Donc, on a deux CAC et un cast. CAC qui est corps à corps, cast qui est à distance. On va retourner dans les quêtes. Et là, eux autres, je pense que je peux aller faire quelque chose de plus fort là, qu'eux autres. Niveau 28. Ils sont tous niveau 28. Ok. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, de la façon que je fonctionne, c'est que niveau 28, je vais à du niveau de 2800 pour upgrader. Donc, 2700. Ok. Est-ce qu'il y a un 2800 ici? Oui, il y a un 2800. Donc, on va aller à 2800 ici. Ça devrait être bon. Bon. Là, je commence avec le buff de Carabaf. Bon, même pas ne rien faire. Bon, le rétincelle qui shoot son affaire. Bon, il y a d'autres chauves-souris. Ça va assez bien, merci. Je repars le buff. Vous voyez, le buff, il est à tout le monde. Là. Fait que tout le monde a la carapace du Carabaf. Tiens. Hey, ça va assez bien, merci. On met le buff. Le reptincelle va un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre la boubombe sur tout le monde. Tiens, et ça, c'est merveilleux, ça. On rebuffe les gens. Pokémon en vue. On peut voir en haut, j'ai deux. En haut à droite, j'ai deux crochets. L'autre est en rendu. Ça veut dire que je suis au troisième groupe de monstres avant le boss. Celui avec le double carré, c'est le boss. On remet le buff. Ça, c'est le boss. J'ai pas vu le c'est noir sur foncé, là. C'est un petit peu difficile à lire. Oh, je suis cerné. Il y en a qui ont apparu. C'est pas grave. On buff les gens. Checkez bien ça, qu'est-ce qu'il m'a fait. On tue le boss. Hey, le boss est mort. Fait qu'on s'en fout. Pour me cerner autant qu'ils veulent. Le but ici, c'est de tuer le boss. En tuant le boss, les autres sont partis. La personne qui a pris le niveau, j'ai une gemme de 176. C'est quand même assez fort, 176, là. Je pense qu'elle pourrait servir. On va aller voir d'ailleurs. Où est-ce qu'on en est au niveau des gemmes? Ok. Voyons voir. On va aller voir avec Arbok.
Qu'est-ce que tu as comme gemme? On va aller voir là, si la 176, ça vaut la peine, oui ou non. Là, on peut voir, la nouvelle gemme a toujours un point d'exclamation dessus. Là, elle est là. La 176, elle est plus forte que certaines que... Oui, fait que je vais la donner à Arbok. Contre la 170. Et la 170, je vais la mettre à Pikachu. Dans ma team B. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne fais pas juste continuer avec une team? C'est que bien souvent, il y a des levels qui sont meilleurs avec certains Pokémon. Fait que c'est pour ça que je veux upgrader un autre team. Mais là, j'aurais feu, eau et terre poison. Puis dans l'autre team, j'ai électricité, plante et l'autre a voyons, c'est quoi déjà Stary? Acier et glace. Donc c'est quand même diversifié. Je pensais même me faire une team C. Ben même le Reptincelle a une attaque de normale, ce qui peut être assez bon même. Une attaque de griffe normale. Là, je voulais donner une gemme au Pikachu. On va lui donner la nouvelle gemme. Donc, la 170 pour 167. Ce qui voudrait dire que Starry va finir avec l'autre gemme. Donc, Starry, on va aller dans Amulette. Ça, la 164. 184? Qu'est-ce que tu faisais avec une 184, toi? Ben voyons là. Ça existe. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Non, mais c'est une gemme qui va pas à lui, ça. Mon Dieu, non. Non, 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 non. On m'a donné ça au Arbok. Ben oui. Dans ma team A, ça. Hey, 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 toi, là. C'est que tu fais avec une gemme que c'est pas censé être pour toi, là. L'Arbok fait quand même passablement de dégâts juste normalement. Donc, l'upgrade encore plus, c'est encore meilleur. Bon. Ben celle-là, elle va aller à Pikachu. On va upgrader le Pikachu un peu. Donc, 171, 100, ouais, ça augmente juste de 1, mais c'est pas grave, c'est quand même ça. Un petit peu de gestion de gemmes, comme on peut voir, mais c'est pas si pire que ça. Là, Starry. Euh, 170, 165. Ouais. Et là, les autres, c'est juste des gemmes de santé, donc pas des gemmes d'attaque. Donc, c'est bon. OK. Puis j'avoue que j'ai assez de gemmes pour me faire un Team C. Fait que je vais peut-être me faire un Team C, là. Voyons voir. Ça me prendrait des Pokémon qui ont des compétences que je n'ai pas. Donc, probablement un Pokémon Psy. On peut peut-être un Abra pourrait faire la job à ce niveau-là, je pense. Je sais pas s'il y a des compétences psy. Il y en a une, pas super bonne par exemple. Peut les rendre confus par contre, ça c'est pas mauvais. Mais pas super bonne. Non.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais. Ontario. Un team C, là. Nixpanita, Hippotrempe, Sporifix, je pense que c'est Poison, mais j'en ai déjà un. Crisacier, Porygon, Ocelet, Onix, Mélofée. Ah, Mélofée peut-être? Ou si tu as un Pokémon? Ah, c'est un. Ouais, c'est pour prendre l'aggro. Prendre l'attention. Fait que non. Non, non, non. Non. Tant qu'à prendre l'attention, je vais prendre Krabi, là. Pas mal meilleur. Rhinocorne. Fabric, Abra. Ferrosinche. Un Chétiflard. Chétiflard avec quoi, lui? Comme compétence. Plante. Augmenter temporairement les dégâts qu'il inflige. Ah, ok. Puis, poison. Ouais, mais j'ai déjà poison. Ça va aller. Aspicot, ça, je pense, c'est plante aussi. Sabolette. Sabolette, qu'est-ce qu'il est, lui? Griffe acier. Quand même passablement de dégâts, mais j'ai déjà une attaque d'acier avec le Staryu. Racaillou. Se faire une équipe C, là. Tunnel, sol. Quand même beaucoup de dégâts, mais. Ouais. Charge. Qui est une attaque normale, là. Roche est normale. Beaucoup de dégâts, mais. Ouais. C'est. Tu sais, j'en ai déjà un ratata. Ratata, il y a griffe normale et puissance. Un buff donc. Ok. Boustiflore, qui, je pense, lui aussi, c'est plante et poison, c'est ça? Un fouet-liane, donc la même affaire que l'autre. Et un souplesse. Attaque normale. Infliger des dégâts aux ennemis proches. Moins. Donc, ouais. Une otaria. Une attaque d'eau. C'est bien ça, oui. J'ai déjà un miaouss normal. Donc, eau normale. Paras, insectes et plantes. Ce qui est pas vraiment. Caninos, qui n'attaque feu. Psy. Ça, c'est un Voltrob. Je pense que ça attaque éclair, c'est tout ça? Une attaque ténèbres. Mais c'est même pas une attaque, c'est pour provoquer. Il est censé avoir éclair. Fait que ouais, je suis pas intéressé tant que ça. Rhinocorne. Ah, qu'est-ce qu'il y a lui, le Rhinocorne? Une attaque d'acier qui est pas super bonne. Une attaque d'ailier qui est. Bélier qui est pas si pire, mais c'est une attaque normale que j'ai pas de besoin.
Le Krabi, qui, bon, on l'avait vu. Do duo, normal et haut. Un tas de morve, qui est poison. Goupix, qui est feu. Un Nosferapti, qui est poison et eau. Bizarre, ça, je l'ai déjà, ouais. Un Nidoran. Ah, je pourrais faire un team Nidoran. Peut-être, hein? Et quoi, lui? Puissance. Augmenter temporairement les dégâts qu'il inflige. Ok. J'en avais un, j'avais un Nidoran mâle aussi, ouais. En effet. Une attaque de poison. Ok. C'est. Ça peut être upgradé, par exemple. Ouais. Il y aurait le psy, évidemment. Que je suis intéressé à upgrader. Machoke, Misterbe. Un petit tard qui est haut. Poissirène. Haut. Taupiqueur. Coquillasse. J'ai deux sabelettes. Ben oui, toi, j'ai deux sabelettes. Gardons ça. Comment ça que j'ai deux sabelettes, moi? Tunnel, attaque sol. Ah ben là. Ben oui, ça marche pas, ça, là. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Celui-là, il est de bien meilleur level, en plus. J'ai une attaque acier. Griffe acier. Puis il peut avoir passablement de vie. Donc, ouais. Moi, je préfère ça de beaucoup. M'upgrader le sabelette, je pense, moi. Ah oh, oui. On va aller lancer un exercice. Je me souvenais pas que j'avais deux sabelettes. Ah, ben, c'est bon, ça. On va aller upgrader. Ouais, non, pas au niveau des capacités, mais au niveau des niveaux. On prend une sabelette 29. Pogner le 12. Puis. Oui, je le veux. Merci beaucoup. Bonsoir. Salut, la petite sabelette qui sert à rien. On va pogner quelques affaires de lui. Voilà. Bon, mais ça, c'est merveilleux. Ouais. Hey, je sais pas, hein. Un psycho-couac, hein? Peut-être une attaque psy intéressante, lui, le psycho-couac. Spectre, onde folie. Une étrange lumière qui a de grandes chances de rendre les ennemis alentour confus. Ah ouais, hey, ça pourrait me faire une team de confusion, là. Ah, hey, j'haïs pas ça, ça. Ouais. Hey, un psycho-couac avec. Avec un Psyduck. Puis tu mets un Krabi avec ça, là. Ouais, j'haïs pas ça, moi, ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, un Abracadabra avec un Krabi. Puis un Psycho-Couac. Ou un Kikli, c'est quoi ça? Ce serait pas mauvais d'avoir un rock
aussi. Oh, c'est quoi ça? Une attaque combat, sacrifice. Oh, je suis pas convaincu. Je dirais que le Krabi, c'est un Pokémon haut encore. Mais il y a des belles compétences de tank. Ouais, ça me prendrait peut-être un meilleur tank que ça, là. T'as de mort, dos duo. On prend un que des roches. Un Pokémon de roche. Mimitos. Kangourex. Peut-être que le Kangourex, il y a de quoi d'intéressant. Oh, dragon. Le lanceur laisse libre cours à sa colère et inflige des dégâts aux ennemis croisés pendant sa course folle. Peut le rendre confus. Oh, shit. Oh non, moi je veux ça. Ah oui, moi je vais prendre ça, certain. Hey, le Kangourex. Oh, fuck le Krabi. Tiens-toi. Hey, ça va être quelque chose. 12, 12, 25, même. Mais lui, il a pas des bonnes compétences. là, ce que je vais faire. On va aller leur mettre des gemmes, eux autres, là. Fait que là, le Kangourex. Ça va être un petit peu mon tank, lui. Donc, je vais espérer qu'il n'y aura pas. Ouais, ben, ils mettent des gemmes de. Là, avec ça, j'ai mauve, orange et jaune. Donc, c'est clair, ben, ils mettent des jaunes. Mauve, je sais pas encore. Et ben, ils mettent au moins une jaune, ça, c'est clair. Des oranges, j'en ai pas. Donc, c'est clair que j'y mets une deuxième. Et lui, il va se prendre beaucoup de dégâts. Donc, je suis mieux de lui mettre beaucoup de vie. Je pense. Donc, 832 de vie. Alright. Ensuite de ça, là, je vais attendre pour voir si je mets une jaune ou une violette. Je vais aller voir les autres avant. Donc, lui, ça. L'étrange lumière qui a de grandes chances de rendre des ennemis alentours confus. Et ça, c'est un debuff, dans le fond. Donc, oui. Ça, je vais le prendre. J'aime maintien. Pour les boss, des malus. Ça, je vais le mettre. Ah, ça, c'est une bonne question, là. Est-ce que je lui mets ça? En tout cas, je vais lui mettre au moins un jaune. Oups, là. Au moins un jaune. On va lui mettre un vert. Au moins un jaune. Puis on va aller voir le Psyduck. Psyduck, qu'est-ce qu'il y a, lui, Psyduck? C'est sa rafale psy. Moi, la rafale psy. Ouais. La rafale psy, moi, je veux que. Ça. Ouais. Ça comme ça. Ça, c'est un flash. Baisser leur vitesse de déplacement. Hey, lui, là, ces deux attaques, je vais vouloir les changer dans le fond.
Pour vrai, là, c'est vraiment de la merde. Mais je pense que je vais lui mettre ça, puis m'en voir si la gemme d'expansion va être efficace. Ce qui veut dire que les deux autres, je vais simplement leur mettre des gemmes jaunes pour qu'ils les fassent plus rapidement. Bon. Et le kangourou X. Kangourou X. Une gemme jaune. Comme ça. Je vais vouloir que le Psyduck fasse le plus de dégâts possible parce que c'est lui qui est le plus haut niveau. Donc je vais lui mettre un max de gemmes d'attaque. Puis les plus grosses qui sont disponibles, évidemment. Puis il a vraiment pas beaucoup de vie, donc je vais lui mettre les meilleures aussi. Donc voilà, quand on met 3 gemmes dans une ligne, j'obtiens un buff. C'est quoi le buff? Est-ce que je peux... Je ne sais plus comment je peux aller voir ça. C'est-tu comme ça? Oups, là. Vitesse de déplacement, gna gna, PV. Non, je me souviens plus comment je pouvais aller voir ça. Vous donnez la pierre stade, ne pourra pas évoluer. Fermé. Non, je veux pas y donner. Non, je veux qu'il évolue. En fait. Mais oui, je veux qu'il évolue. Cette affaire. Je me souviens plus c'était où que je pouvais voir ça. Qu'est-ce que ça donnait comme buff? Ça, c'était pas là. Faut que j'essaie de me souvenir, là. Caroline, c'est où déjà? Me souviens plus. Oups, non. Ah, c'est pas ça que j'ai eu l'affaire. Ça. Ça. Puis, ouais, ça. Ça. C'est comme ça. C'est comment déjà, là? Je me souviens plus. Bonus bingo, c'est ça. Donc, vitesse de... Oh, hey, j'ai rien à lire. Vitesse de déplacement... Donc, vu que j'ai un bonus bingo, j'ai une vitesse de déplacement de plus 30. Donc, il va se déplacer vraiment plus vite. Ben, c'est pas mauvais. Ensuite, il me reste le psychoquack. Et le psychoquack, je vais lui mettre. Il n'y en avait pas. Non, il n'y en a pas là. Il n'y a seulement qu'une gemme d'attaque. Ouais, sa compétence est est pas pire, là. Je vais la tester. Mais c'est vraiment pour voir si... ouais. Bon, fait que les autres gemmes valent pas de la chenoute, finalement. Zone de partage des bouffes. Il n'y a pas de... Ah non, c'est parce que ça, c'est un debuff. Ben oui. Ben oui. Ben, ça va être à tester, je pense. Allez, on y va. Ben là, les plus faibles sont niveau 12. Puis j'ai l'Abra qui est niveau 25. Donc là, j'ai un Pokémon Ténèbres, un Pokémon Psy et un Pokémon Dragon. Va être intéressant à développer comme compétence, comme Team C.
On n'ira pas dans les grosses affaires. Je vais peut-être essayer, par exemple, ce que j'étais tantôt, donc à 1800. Normalement, je vais toujours avec celui qui est le plus bas, donc les niveaux 12, j'irai à 1200, là. Mais on va essayer 1800, hein, on va aller voir qu'est-ce que ça va faire. Puis au pire, on verra comme qu'est-ce qui arrive si les Pokémon meurent tous. Bon, ça va vous le montrer. Donc. La phase ici. Et ça pète des culs, là. Ouais, ça va quand même assez bien. Ça va assez bien. Oh yes. On est rendu au boss, au Crustabri. En tout cas, le Kangourex fait un méchant ménage. Ben, ça a vraiment bien été, pour vrai, là. Je m'attendais pas à ce que ça passe aussi facilement que ça. Évidemment, le Psycho-Kouang, bizarrement, a pas pris beaucoup de dégâts, ce qui m'a surpris. Mais le Abra et le Kangourex, ouais, non, puis le Kangourex a fait pas mal de dégâts pareil, donc ça augure bien, ça augure bien. Bon, et là, le détecteur d'objets est arrivé au maximum. Ça veut dire que c'est le temps d'aller avec la Team A puis d'aller dans un gros niveau. Par contre, avant, j'ai les objectifs. J'ai un point d'exclamation. Donc, on va aller voir c'est quoi l'objectif que j'ai rempli. Je vais avoir un cadeau. Secondaire. Gemme maintien. Équiper un Pokémon d'une gemme maintien et utiliser une capacité. Bon. Ça me donne 5 coupons BP. On peut voir les autres quêtes secondaires et principales. Donc, si je réussis le monde desséché au complet, ça va me donner une batterie de plus. Donc, au lieu de 4 sur 6, au lieu d'avoir 6 essais, j'aurais 7 essais. Et là, premièrement, j'ai fait deux quêtes, deux essais, ce qui fait en sorte que ma recette est faite. Ce qui veut dire que voilà
J'ai un bouillon 3D. Je vais attirer un autre maudit Pokémon qui va venir manger. Ça a l'air d'être un Pokémon insecte. Oh non! Hey, j'ai un Ponyta, qu'est-ce que c'est ça? En plus. Un Aspico, ah ouais! Avec un Darvenin. Bon, je l'ai déjà, ça. Bon. Puis en plus. Oh non, mais ah non, le Ponyta, c'était celui que j'avais. Ok, donc c'est le Pokémon. Donc là, objectif. J'ai eu un autre objectif en ayant lui. Secondaire, des Pokémon insectes. Ouais! Fait que j'ai 5 grosses racines avec ça, gratos. Yes, sir. Bon. Là, moi, j'en ai déjà un de ça. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais upgrader ma Team Sim un petit peu. Hein? Fait que, on va upgrader. On est dans exercice. On peut le faire quand c'est pas des mêmes Pokémon. Comme là, je vais le faire avec le Kangourex, parce que je l'aime bien. Hein? Puis, je vais faire l'Aspico. Je vais le mettre là. Ce qui va le faire monter de niveau quand même. Parce que c'est un niveau 22. Yes! Vas-y, mon homme, teinte, oui. Merci d'être venu manger chez nous. Maintenant, décoquerisse. Puis fais leveler mon Kangourex. Merci, bonsoir. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. Donc, lui, il va monter d'un niveau. Et là, comme j'ai dit, c'est le temps de prendre la team A. La team. Ouais, avant. C'est vrai. Parce que j'ai eu une gemme que je pense que je peux équiper sur peut-être le Psycho-Quack. Oh, je suis pas sûr finalement. Ouais, non, elle est pas bonne. Elle est pas bonne pantoute en fait. Je vais aller recyclage. Des gemmes qui servent à rien, là, on peut disposer. Oui. Voilà. Merci, bonsoir. Et ça nous donne d'autres affaires. Donc là, on revient ici. Parfait. Et là, je vais prendre ma team A. Donc, Rapinsel, Carabaf et Arbok. On va mettre. Faut pas oublier de toujours mettre des recettes. On met toujours des affaires que c'est ça. Hein? Donc, ce qu'on a le plus, 327. Avec 317. 313, 310 et 309, c'est bien ça, ouais. Cuisiner, yes. Bam! Bon. Évidemment, on peut y aller avec quelque chose de plus précis au niveau des recettes, là, mais c'est vous. C'est selon quel Pokémon vous voulez vraiment avoir, c'est ça qui va vous attirer des Pokémon, mais c'est parce. Vous allez avoir des Pokémon anyway, tant que vous mettez n'importe quoi. Puis les Pokémon vont vous donner d'autres capacités ou faire leveler vos Pokémon que vous avez déjà. Ah, non, 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 je ne veux pas fermer l'application. Voyons donc, je veux aller me battre, moi. Ben oui. Voyons donc. Fait que là, on va aller quelque chose de plus awesome, là. On va aller faire le 3000 ici, que j'ai jamais fait. Avec ma gang de Pokémon à 28. On va tester ça. On les buff. Petit boubon dans la gang. Petit boim. Et c'est fini déjà. C'est bon. Hey, éteins-toi, c'est pas magique. Hey, un beau siphon dans le tas. Une griffe. Un Darvenin, c'est fini. Tiens, toi. Des attaques normales, ça va être fini.
On rebuffe tout le monde. Tiens. On est Joe Boss. Un galopin. Là, mes Pokémon sont en feu, par exemple. Ça, c'est pas bon. Par en feu, je veux dire qu'ils sont littéralement en feu. Mais grâce au repli du Carabaf, ben, ils prennent pas tant de dégâts que ça. Donc, ça, c'est bon. Empoisonner le galopin, peut-être. Combat dure plus longtemps. J'ai un Pokémon qui est presque mort, mais. Et voilà, on a réussi! Yes! Pour le loin! Bon, ben c'est pas merveilleux ça! Une gemme à 175 d'attaque avec vitesse de déplacement, durée de réanimation, PV après réanimation, fait que. Ok! C'est une excellente gemme d'attaque, ça. Ça, c'est cool, ça. Ça va m'ouvrir une autre affaire. Bon, le détecteur d'objets, il est fait. Mes Pokémon, aussitôt que vous sortez d'un endroit, les Pokémon sont déjà full vie, donc vous n'avez pas à vous déranger à ce niveau-là. C'est tout déjà fait. Donc, on va aller voir les gemmes, là, qu'on a eues. Reptincelle. Peut-être avoir une bonne gemme pour le Reptincelle, ça là. Ce qui serait très, très bon. Pas du tout, en fait. Elle est pas mauvaise, mais elle est plus pour la Team B. Donc, ouais. D'accord. OK. Ma Team A sont déjà rendus ailleurs. OK. Fait que Team B, Pikachu. On va mettre un Pikachu. Mettre un Pikachu. Ouais, 175, ça va aller à toi, ça. Ben, c'est merveilleux, ça. Puis là, on va aller mettre l'autre gemme, la gemme que Pikachu avait. On va la donner au Starry. Starry sur une des 167. On s'en fout laquelle. Et la 167 m'a la donnée au Psycho-Quack. Pas au Psycho-Quack, au Abra, désolé. Je me trompe entre le Abra et le Psycho-Quack. Cent soixante-sept, 164, ici. Et ça s'en va au psycho-quack. Bon. Là, faut attendre entre chaque. C'est un peu long, mais bon, c'est de la gestion de. Gestion d'amulettes. Ce serait le fun qu'ils mettent ça un petit peu plus. Un petit peu moins long. Ce serait cool. C'est la façon de procéder présentement. Malheureusement. Là, c'est tout, je pense. Oui. Donc. On va retourner à ma team C, je pense. Yup. Donc,
le Abra avec le Psycho-Couac, puis le Kangourex qui est où déjà qui est ici. Voilà. Puis, ben, il va me rester trois affaires, trois essais à faire. Puis, ben, c'est un peu ça. Fait que je vous ai pas mal présenté Pokémon. La connexion au stream est instable. Ah, il fonctionne mal, semble-t-il. Je peux peut-être vous montrer. C'est ça les. Non. C'est pas ça. Ok, là, ça a l'air la connexion assez rare. Peut-être vous montrer un petit peu la musique, là. Je vais enlever la musique, là, mais bon. On va faire un tour avec de la musique, hein. Tu-tu-tui. Tu-tu-tui. Pui. Tu-tu-tui. Tu-tui. 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 Pardon. Ça, c'est ce que ça a l'air avec de la musique. Bon, on s'amuse comme ça. C'est cool. On fait une petite colère. On confuse les gens. Petite attaque psy. Tiens-toi. Hey, la colère à fesse, hein? Pour vrai, là. Je pensais pas que ça pouvait fesser autant. Par contre, ouais, c'est pas très précis. Le flash, par exemple, ça va être à changer. Pour vrai, là, le flash du Abra, là, je vais changer ça assez rapidement. Mais après celui-là, je pense que j'obtiens un autre Pokémon. Je vais voir si je peux pas. Le flash sert à rien. Faudrait que je lui fasse après une nouvelle compétence. Le problème quand c'est pas le même Pokémon, par exemple, c'est que c'est le pourcentage de réussite est vraiment petit. La colère marche très très bien là. Ça, je pensais pas que ça pourrait. Ça fait comme trois attaques d'un coup là. C'est vraiment bon. Ça en a confusé un. La rafale psy fait pas beaucoup de dégâts, mais
Ah, comme là, la colère, elle a complètement manqué. Là, ça, voyez-vous, c'est pour qui s'enfuit. Comme là, j'ai quand même bien fait parce qu'il faisait sa grosse attaque et j'ai pas pris de dégâts. Quelque chose que je vous avais pas montré encore. Voilà, niveau terminé. Ça a fait augmenter de niveau le psychoquack. Avec deux gemmes, ben rendu ce que je suis, c'est un peu des gemmes de merde. Mais bon. Mais là, le repas il est prêt. Ça le cuit. Ce qui veut dire que je vais avoir un autre Pokémon. Donne-moi le Pokémon. Yes, un autre bouillon 3D. Et j'ai tué un Pikachu. Ah non! C'est un Rattata. Bon. Un Rattata avec charge et griffe. J'en ai déjà un Rattata. Fait que ce que je vais faire... Là, j'ai un autre objectif d'atteint. Hey, des partenaires augmentent. Fait que j'ai obtenu 5 gogos noirs. Ben, bravo. Donc. Il y a quand même une petite musique agréable là-dedans, je vous avoue. Je vous ai pas mis la musique au départ, moi. Mais je vous avoue que c'est calmant, en fait. C'est bien à ce niveau-là. Donc là, on va aller dans l'exercice. Parce que on n'a pas besoin. Ben, j'en ai pas besoin de ce machin-là. Parce que j'en ai déjà un Rattata, donc on le note là. En fait, on va aller en capacité. Puis on va aller tester, voir si les capacités... 15%, c'est vraiment pas de beaucoup. Mais on va l'essayer pareil. Habituellement, c'est un échec. Mais sait-on jamais... Ça a pas marché. Ouais, 15%, c'était presque sûr que c'était pour échouer. Quand c'est pas le même Pokémon, c'est... Le taux de réussite est très faible. Fait que ce qu'il reste à faire, ben il me reste encore 3 essais avant la fin. Ok, ah oui, là il faudrait peut-être que je fasse des V7. On va faire des V7. Donc moi j'aimerais ça d'avoir un psy. Des Pokémon rouges, Pokémon bleus, Pokémon jaune peut-être, oui, grise, eau, type normal, poison, sol, plante, insecte, psy. De la pizza 3D. Beaucoup d'ingrédients sucrés et quelques ingrédients coriaces. Précieux tendre, précieux miel, précieux coriace. Donc, ce que ça me prend, ça c'est précieux tendre, précieux coriace, précieux tendre. Ce qu'ils me disent là, c'est que beaucoup d'ingrédients coriaces. Ça, c'est coriace. Ça, c'est tendre. Ça, c'est tendre, coriace. Fait que beaucoup de coriace et quelques ingrédients. Ah, beaucoup d'ingrédients sucrés. Précieux tendre, précieux coriace. Ben attends un peu. Ça, c'est... Je peux remplacer tous les autres.
Donc, on a du miel. Du miel, c'est sucré, ça. Beaucoup d'ingrédients sucrés. Oh. Un peu, là. Un, deux, trois. Trois miels. Puis quelques ingrédients coriaces. Ça, là, il est coriace. Ça donnerait une pizza 3D, normalement. Lui, il va être prêt dans 6. Fait que, ouais, il va falloir que j'aille. On y va. Il manque. Là, j'ai 3 essais. On va aller faire les 3 essais, puis. Ben, c'est ça. Fait que. Ouais, le boss. Laisse faire le boss. Je sais pas si. Je serais assez fort pour du 2400, peut-être. On va aller voir. Hein? On va aller tester ça. Parce que là, un Pokémon Psy contre des Pokémon Psy, c'est pas l'idéal. Il y a une musique différente pour chacun des mondes. Donc, si vous aviez peur que la musique soit trop répétitive, ben, elle l'est quand même un peu, là, mais c'est pas. Au moins, c'est pas la même affaire d'un monde à l'autre. Ça doit être un peu. Rigolote, mettons, on dirait ça de même. Du beau teamwork, ça. Je l'ai pas son nom de folie, finalement. Pour vrai, là, ça les confuse assez souvent. Avec un mash-upper comme boss. On va voir s'il va résister au pouvoir du Kangourex. Oh, ça a marché sur le boss. Hey, c'est assez efficace, merci, là, pour vrai, là. Le Kangourex est niveau 14. Et en étant niveau 14, il y a une nouvelle gemme de disponible. Bon, ben ça c'est bon ça. La gemme d'endurance est un peu de la merde par contre. Mais j'ai obtenu un truc arc-en-ciel pour des recettes. Bon. Mais c'est le fun ça. Puis on va aller l'équiper le Kangourex. Maintenant qu'il y a des affaires de disponibles. Ben, il y a une affaire de plus de disponible, en fait. Et c'est une gemme d'attaque, en plus. 162. Celle-là, dégâts critiques. Ouais. Non, il fait quand même assez passablement de dégâts de même. Eh bien, joli la 162, la 160 avec dégâts critiques, là, mais. Je vais prendre de plus 2 de dégâts. Ok.
Je sais pas si on peut peut-être aller à du 200, 2500. On va s'essayer. Rafale Psy. Une petite colère. C'est bon, ça. Bon, un autre Pokémon en vue. Déjà, direct là. Bon, ben c'est bon ça. Bon. Hey, c'est du teamwork. Du vrai teamwork là. C'est beau ça. C'est beau de voir ça. Mon Dieu, ils apparaissent tous à la même place. C'est assez merveilleux, là, jusqu'à date, là. Pour vrai, les Pokémon ne prennent presque pas de dégâts, là. Hein, ça vaut même pas la peine d'attaquer. C'est-tu pas merveilleux? Ils apparaissent tout ce que je suis. Même pas loin d'aller chercher rien. Et puis lui, le boss, il s'en va direct sur le Kangourex. Il n'y a pas de niaisage. Oh, il s'en calisse des sons, les gars. Non, moi, c'est le Kangourex que je veux. Ben, correct, mais. Oh, j'ai eu une jeune verte. Ah, ben, ça, c'est excellent, ça. Ben, je vais la mettre sur le Psycho-Quack, la jeune verte. Tu peux être sûr de ça. Ouais, j'en ai pas beaucoup de débuffs. Et le Psycho-Quack gagne une gemme aussi, une gemme de vie. Excellent, excellent. Bon, ben, une autre gemme de maintien. On est sur le psycho-couette. Changer les gemmes. Vraiment, il y a une gemme de vie de plus. C'est bon, je vais en garder une, justement. Là, les autres gemmes, on va les recycler parce que ça sert pas à rien, ça, là. Oui, merci. Merci beaucoup pour le stock. Puis, ouais. Oh yes, que je vais mettre la durée des boosts et la durée des malus. J'aime bien le team. Pour vrai, là, j'aime bien ce team-là, là. Il fonctionne bien pis tout, là. Un beau petit team. Moi, je les aime bien. Je vais essayer vraiment ce qu'il y a de plus fort. Je vais tester là parce que ça va trop bien là. Ça n'a pas de sens là. Je vais voir une place qui va mourir là, parce que là, ça va bien trop bien là.
Ben. Oh, un Voltrob! Il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, le Voltrob. Non, le Kangourex, il prend beaucoup de dégâts, mais il a quand même passablement de vie. Fait que même s'il est bas niveau, il résiste beaucoup. Puis je sais pas pourquoi, mais les autres monstres sont beaucoup après le Kangourex. Donc pendant ce temps-là, le Psycho-Quack, il confuse beaucoup. Oh, le Kangourex s'est confus un petit peu, mais c'est pas grave. T'es en train de m'attaquer, hein? Shit! Oh, le Onyx confus. Moi, je pense qu'on va l'avoir. Yes! Oh my god! Ouais. Ah non, je suis surpris de la Team C, là, pour vrai. Je suis assez surpris. C'est assez efficace. Merci, la Team C, là. Hey, c'est... Ouais. Je débrouille très très bien. Gem 158, je sais pas si c'est bon ça. Je sais pas. On va voir peut-être le Abra. Non, même le 160, je l'ai pas mis. Ça fait que, ouais, c'est pas assez bon. Sorry. C'est pas assez bon. Hey, on est rendu à 4500, ça, là. My God, là. Non, mais c'est du solide, là. Bon, là, par exemple, j'ai plus d'essai. Fait que là, ben, ça va mettre fin, je pense, à notre aventure. Donc, on va retourner voir la gang de Pokémon à la base. Et le prochain essai arrive dans 11 minutes, donc ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je me déconnecte pour la journée. Donc on dit bonjour à tous les Pokémon, hein, qui sont là, qui s'amusent, qui se promènent dans mon chez-moi. Puis je
Puis, ben, c'est ça. Je vais me revenir jouer un autre moment donné avec les Pokémon. En tout cas, je suis vraiment surpris par la Team C. Non, vraiment, là, ça va être à continuer d'upgrader. À bras, va falloir que je trouve une autre compétence, mais c'est surtout le Kangourex qui m'impressionne beaucoup. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, je ne vous ai pas montré la décoration, c'est vrai. J'ai une arche Mewtwo qui, là, je me suis épuisé quoi qu'à faire. J'ai un hamac Kangourex. Une statue de la prolifération. Une statue de l'ondée et une statue de la prospérité. Puis, ben, c'est ça. Demandez-moi pas qu'est-ce que ça faisait déjà, cela, là. Mais, ouais. Je sais que ça faisait des affaires. On peut les acheter ici, si je me souviens bien. Dans décoration. Donc, c'est l'arche Mewtwo qui, ça, capacité de batterie plus 1. J'avais acheté celle-là. Jusqu'au niveau 5, il faut upgrader dans 1.5. Jusqu'au niveau 10, il faut upgrader dans 1.5. Et jusqu'au niveau 15, il faut upgrader dans 1.5. Puis lui, taux d'apparition des Pokémon avec plusieurs encoches x2. Donc ça, c'est bien le fun. Là, qu'est-ce que je pourrais aller chercher comme décoration? Qu'est-ce que ça donne, ça? Ce serait pas payé, ça. Fois 1.5. Nombre d'ingrédients obtenus après un recyclage. Bon, ça, je m'en fous. Ingrédients. Taux de réussite des exercices. Capacité. Ah, ça serait bon, ça. 700, par exemple. Oh, shit. OK. Taux de réussite des exercices. Capacité. 1.5. OK. Point d'expérience obtenu après les exercices. Mais pour les capacités, là, ça, je l'aime bien. Obtenu après les exercices, niveau 1.5. Rodéo Tauros, taux d'apparition des ingrédients gris, si on s'en fout. S'en fout, ça aussi. Ingrédients jaunes. Ingrédients jaunes. Ingrédients bleus. Ingrédients bleus. Ingrédients rouges. Et ingrédients rouges. Donc, ouais, là, moi, ce que je veux surtout. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je veux surtout, c'est le drapeau Salamèche et le bâton Métamorphe. Bâton Métamorphe, ça va me prendre du temps avant de l'avoir, à 700. Mais le drapeau Salamèche, oui, ça, je vais aller le chercher. C'est taux de réussite des exercices, capacité x 1.5. Tiens. Au lieu de 15%, ça m'aurait donné peut-être un 20%, ce qui serait bon. Ça aurait été vraiment été bon. Donc, j'ai maintenant un drapeau Salamèche. On va aller le mettre, le drapeau Salamèche, à quelque part. Hein? On va aller dans décoration. On va aller trouver une place où mettre notre drapeau Salamèche. Peut-être droit ici, puisqu'il n'y a pas rien dans ce coin-là. Hein? Donc, ça indique tous les endroits où est-ce qu'on peut mettre le drapeau. Moi, je pense qu'ici, il n'y a pas rien. Hein? On pourrait le mettre là aussi. Mais moi, j'aime bien là. Ouais, un drapeau Salamèche, direct là. Donc, c'est parfait, ça. Parfait. Tiens, là, ça décore notre place. C'est bien le fun. Bon. Ben, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis, ben, c'était une présentation de Pokémon. Voyons. Même plus du nom du jeu. De Pokémon Quest. Et, ben, je dis. Comme vous avez pu voir, il n'y a aucune pub. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Ça prend peut-être un petit peu de temps à charger, mais le fait qu'il n'y ait aucune pub nulle part, ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Là-dessus. Ben, je vous le recommande beaucoup si vous êtes des fans de Pokémon puis que ça vous tente pas de jouer. Ça vous tente de jouer à d'autres choses que Pokémon Go. Ben le fun, ben cute, petite musique agréable.
C'est vraiment détente. Si ça vous tente pas de vraiment, tu sais, vous avez juste à cliquer sur auto comme vous avez cliqué. Appuyez sur auto avec votre doigt, puis tu sais, ça, les Pokémon font leur capacité tout seul. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est moins efficace, mais ça marche pareil. Puis tu sais, si vous allez dans des levels qui sont pas trop compliqués, ben à ce moment-là, tu sais, ils n'ont pas besoin de vous pour vraiment survivre et upgrader. Fait que je vous le recommande beaucoup. Pour ce qui est du reste, ben je vous dis à la prochaine. Câlin, bisous. Tourlou. C'est comment déjà? Ah, voilà.